Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc nous voici dans un autre épisode, ou plutôt dans une autre vidéo après l'Odyssée. Donc j'ai décidé de faire une conquête, puis... Wow! Ils ont eu peur de mon cheval ou quoi? Bon, comme je disais... C'est ça, donc je vais faire une autre vidéo après l'Odyssée justement. Donc c'est ça, premièrement j'ai décidé de faire une conquête. Par la suite j'ai décidé aussi également de faire une quête annexe. C'est ça, c'est où déjà? Non, c'est même pas là. Skyros... Ah non, voilà. Donc Skiro c'est là, c'est ça après que j'ai décidé de faire. C'est un ami ne meurt pas, je sais pas, il faut que je libère une prisonnière je pense. Donc c'est parti! Tu arrives à point nommé, Porteuse d'Aigle. Nous sommes prêts à attaquer les frontières d'Athènes, et une guerrière telle que toi serait utile à Sparte. Ça te plairait de renverser la situation en notre faveur? Ben je fais pas en ta faveur, je le fais pour l'argent, c'est tout. Mon épée sera avec toi, Spartiate. Excellent! Il ne fera pas bon être athénien aujourd'hui. Oh my god. Ah, ben ça, tout dépendra de moi, hein, parce que je sais que la grosse job, c'est moi qui l'a fait, pas toi. Maintenant que j'y pense... Je pense... Non, laisse faire. Ils m'ont même pas appelé par ce nom. Bref. Envoyons les Athéniens chez Alès. Bon. Ok. Ok, il faut trouver des ennemis plus difficiles. À date, j'en vois pas. Il est où le capitaine? Ah, bingo déjà. Dégage. Bon, il est où le prochain capitaine? Next. Ah, voilà un autre. Oh, je l'avais presque. Toi là, dégage, merde. Tu me bloques le passage. Bon sang. Oh mais vous allez me foutre la paix. Mais comment j'ai pu foirer ce coup? Bon débarras. Même si j'ai foiré. Oh, je pense pas qu'elle est commode cette femme. Ou cet homme. Il n'inspire pas confiance. Arrête. Je viens de battre un cyclope. Ben, j'ai battu un cyclope, puis penses-tu vraiment que tu me fais peur? Oh. Je vais pas prendre de photos. Oh, bon sang. Foutez-moi la paix! Toi là! Yo! Vous allez crever tous les trois! Je commence mieux à comprendre. Il aurait vraiment fallu qu'il soit à côté pour que ça se continue. Mais quand tu vas mourir, mon sang. Ok, non, là. Ça va faire le niaisage.
Oh, débarras. Non. Pour oh, ça. Vous êtes collants. Dégage. Toi, là, t'es encore plus chiante. Parmi... Ok, non, là, elle va... En passant! Non! Voilà, tu m'énerves. Dégage. Fin, j'en avais marre. Bon, allons détruire des plus difficiles encore. Mais qu'est-ce que tu as contre moi? Tu sais quoi? Dégage. Et si je veux gagner là, il faut que je m'occupe d'eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Ils veulent pas que je gagne, c'est pour ça. Dégage! Ok! Vous me laissez même pas de chance, c'est pas juste! Oh, il y en a encore un autre! Oh, bon sang! Mais laissez-moi tranquille! Ils arrêtent pas de m'attaquer tout à l'heure! Bon. Ok, il y en a encore un autre capitaine, je suis sûr, d'en avoir un autre. Ou peut-être pas. Bonne peureux. Yes! J'ai gagné. Ouh, j'ai eu 40... Oh, 40 000 expériences. J'ai cru que j'avais eu 40 000 pièces d'or. Ah, mais c'est nul quand même. Les récompenses. Je m'attendais à mieux. Faut juste aller à... Skyros. Voilà. Donc on se retrouve là-bas. Bon, l'endroit sera en alerte. Ben finalement arrivé à destination. On dirait que ça a l'air quand même pas si compliqué. Bon, on va tout de suite aller les attaquer, peu importe. Ces bandits ont l'air drogués. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Des pirates utilisent probablement ce fort comme vigie. On va les libérer, qu'est-ce que tu penses? Je te remercie. Attends, je comprends pas. Que s'est-il passé dans ce campement? C'est ça que j'allais dire. Hein? Guéré! Tu sais, je comprends pourquoi tu aimes ces quêtes. Les brigands ne se battent même pas. Et en plus, il y a du vin. Mais il a un drôle de goût. C'est ça, tu devrais pas être ici, Barnabas. Ou tu es venu me voir dans mes œuvres, non? Barnabas? C'est dangereux par ici. C'est du vin de fleurs de lotus. Ces brigands sont drogués. Oh, je ne me sens pas très bien. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que eux ils faisaient la fête là-bas? Oh bon sang! Oh là, on commence à m'énerver. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ok, non, sérieusement. Oh, bon sang. Mais arrête! Laisse-moi une chance! Oh, mais qu'est-ce que je fais moi? Attends. Laisse-moi 2 minutes. Le temps de me recharger. Bon, là vous allez crever. Ils peuvent se battre alors qu'ils sont drogués. Tu vas voir tes tripes. Au secours! Ça brûle! Mais évidemment, c'est du feu! Adieu. Bon, maintenant qui reste? Je pense qu'il reste un autre, non? Wow! ben c'est ça qui arrive. Enfin! Tu as vu de la fleur de lotus, Barnabas, tu n'es pas toi-même. Un cochon! Un cochon si! Arrête d'agir comme un imbécile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, vieil homme, il est temps de rentrer. Comment tu te sens? Ah, aucune importance. Les dieux m'ont envoyé une vision. C'est l'effet de la fleur de lotus. je veux savoir plutôt qu'est-ce qu'il a vu, je suis curieux. Tu as parlé d'une Leda. Les dieux me l'ont montré. Leda, c'était ma femme. Tu es marié? Je croyais l'avoir perdue il y a longtemps. Ah, oh, ben là, je l'ai vue dans cette vision. Elle est en vie. Il suffit de la retrouver. Je vais t'aider à retrouver Leda
Je ne peux pas pour l'instant. Pourquoi pas? On va l'aider à retrouver Leda. Je suis curieux. Je veux bien t'aider à la retrouver, mais une vision ne nous mènera pas loin. J'ai eu 3 visions. Une de Leda, nourrissant un cyclope au fond d'une grotte perdue. Ensuite, je l'ai vu boire du vin avec une sorcière. Et je l'ai entendu chanter comme une sirène. Ben là, ça c'est sûr que c'est l'effet du truc. Où était le cyclope? Tu as eu aussi cette vision de cyclope? Oui! Tousa et Poséidon m'ont pris la main et m'ont entraîné au cœur des grottes d'Anafi. J'y ai vu Leda nourrissant un jeune cyclope. Ok. Alors comme ça, Leda buvait du vin avec une sorcière. Psyché me l'a montré. C'est tellement bizarre. Et la sorcière, c'est sûrement parce qu'il a bu. Elle buvait du vin à une heure avancée. Et derrière elle, j'ai vu les ruines de l'île de Paros. Ok, où étaient les sirènes? Tu as parlé de sirènes. Perséphone m'a montré une fresque. Derrière, rôdaient des sirènes. Leda était prise au piège. Puis Déméter m'a prévenu de sa voix maternelle. N'approche pas, ou tes oreilles troubleront ton esprit. Ne me dites pas que vous croyez vraiment à tout ça. Voilà, c'est grotesque. C'est ridicule. Ça n'existe pas, les sirènes. Bien sûr qu'elles existent. Leur chant m'a coûté de nombreux marins. Bon, peu importe. Je vais chercher Leda. Si Leda est en vie, je la trouverai. Non, mais il faut vraiment que je trouve ça trop drôle. Intéressant. Maintenant, ça nous a débloqué d'autres quêtes. Bref. Donc, on va continuer ça. Finalement, on va continuer la quête en question pour lui. C'est ça. Mais on va pas le faire aujourd'hui. Donc, ça va être tout pour cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas également la clochette parce que si vous oubliez la clochette, ben... vous n'avez pas été au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Puis aussi également, n'hésitez pas à me follow sur Instagram et aussi à liker la page Facebook. Comme ça, vous serez au courant quand les nouvelles vidéos vont sortir. Donc, je vous dis au revoir et au prochain épisode.